to your favorite modern world. Tout le monde. En attendant que déboulent les nouveautés 2024, penchons-nous aujourd'hui sur une vieillerie, à savoir un album de 2012. C'est mon ami Stéphane qui l'a acheté sur Bandcamp et comme j'espionne ce qu'il écoute, j'ai jeté une oreille indiscrète. Atoma est une formation suédoise née en 2011 sur les cendres du groupe de doom Slumber et qui n'aura composé qu'un seul album, Skylight, un an après sa formation. Un nom né d'une certaine obsession des quatre artistes pour la bombe nucléaire. Après un long hiatus, le groupe sortait en 2021 un nouveau single intitulé Them Came the Wave, et un an plus tard, Divina, ce qui laisse peut-être espérer un prochain second album. Mais revenons à Skylight si vous le voulez bien. Il s'agit d'un concept album science-fictionnesque, un voyage forcé jusqu'au bout de l'univers pour une poignée d'astronautes fuyant la Terre, devenue totalement inhospitalière. Ce récit fantastique n'est que l'histoire bien trop contemporaine des migrants qui fuient leur pays pour trouver refuge ailleurs, comme l'a fait Esham, le chanteur claviériste du projet lorsqu'il a immigré en Suède. Skylight navigue entre post-rock cinématique, électro-oriental et métal atmosphérique. Des morceaux majoritairement instrumentaux où se glissent des sections chantées ou criées. 10 pièces de 3 à 7 minutes pour un voyage d'un peu plus de 3 quarts d'heure. En moins de 10 minutes, les claviers jouent du Blade Runner sur des percussions tribales, les guitares donnent dans le heavy, la rythmique se fait électro, le chant se mue en growl et les bruitages installent une impression de BO de film. Les guitares de Marcus Hill se font flodienne sur un Bermuda Riviera teinté d'influence orientale quand le chant crié explose sur Skylight et que la forme cinématique s'impose sur Saturn on High et se poursuit dans un Cloud Nine avec des chœurs féminins. Les synthés de Esham sont omniprésents sur l'album, dominant les morceaux. Du coup, les passages de guitare appuyés sont suffisamment rares ici pour être notés, comme dans le morceau Résonance. Skylight est comme une magnifique BO qui peut s'écouter en fond sonore. Un album certes pas vraiment récent, que je vous invite à découvrir sur Bandcamp par exemple. C'est tout pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle découverte. Et comme toujours, vous pouvez cliquer sur le pouce si vous avez aimé cette chronique. Et si vous voulez suivre les prochaines, abonnez-vous. Bisous.